En fait, moi, je résume ce rapport en disant chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Plus on agit tôt, plus on laisse la possibilité de contenir le réchauffement à un niveau bas, moins on exerce de pression sur ce qui restera à faire pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment le message essentiel de ce rapport. Ce rapport sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, il nous a été demandé par l'ensemble des gouvernements. Ils nous ont demandé de faire le point sur l'état des connaissances par rapport aux impacts et aux risques d'un réchauffement de 1,5 degré. On en est déjà à 1 degré aujourd'hui. Et en fait, les risques évités par rapport à un réchauffement plus important. Il y a un enjeu qui est d'avoir des transformations, des transitions sans précédent historique dans tous les grands systèmes. Il reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour contenir le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel. Et ça demanderait de réduire très fortement les émissions mondiales de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, les diviser par 2 d'ici à 2030 et aller vers la neutralité à horizon 2050. Les actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a beaucoup d'options qui existent. Par exemple, une des questions posées pour contenir le réchauffement à un niveau bas, c'est d'être capable d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable. Ça peut apparaître une bonne solution pour le climat, mais ça peut être aussi une pression supplémentaire sur les terres. Ça peut poser des problèmes pour conserver la biodiversité, pour les droits des populations locales ou pour la sécurité alimentaire. On ne peut pas faire une évaluation complète d'un point de vue économique, donc on ne peut pas comparer le coût de l'action et le coût de l'inaction. Il est surtout question d'une réorientation des investissements. Alors ce qu'on montre dans le rapport, c'est que la volonté politique, la volonté citoyenne, ce sont des points essentiels pour réussir les transformations nécessaires pour limiter le réchauffement à un niveau bas.